Bonjour, je suis Andra de Pyramid Software et je voudrais faire une présentation à la nouvelle version de Raw Workshop 3.3, qui est un logiciel pour la création et la production des offres de portes et de fenêtres. L'application est démarrée. Je vais me connecter à une base de données démo utilisant l'identifiant et un mot de passe. En ce cas, admin, c'est le nom d'utilisateur et aucun mot de passe. Maintenant, j'ai une base de données démo qui se trouve aussi dans la version Raw Workshop démo et dans la version Ultralight qui est gratuite. Elle a 11 systèmes de profil en aluminium, PVC ou bois. Après la collection, nous pouvons créer un nouveau projet. Nous avons ici un projet d'offre, qui c'est une estimation que vous faites à vos clients, un projet de production, qui sont les combinaisons d'offres qui deviennent des ordres, les projets post-production que ne sont pas utilisés au moment, la librairie de fenêtres, qui est un projet qui contient des fenêtres déjà faites, que vous pouvez les utiliser dans votre projet et changer simplement les côtés. Nous avons ici le premier et le plus important de projet qui est un projet d'offre. Comme vous pouvez voir ici, nous avons plusieurs de fenêtres. Ici sont les informations sur notre projet. Ça nous montre le projet dont nous travaillons. Ici sont les informations, les propriétés du projet, le code, le nom, la description, la monnaie et tout ensuite. Aussi, au général, nous avons le code du projet, le nom, la description et toutes ces sortes d'informations que nous pouvons ajouter ou non. Ici sont les informations sur les clients. Nous pouvons écrire le nom de client où nous pouvons l'importer de la base de données, comme ça. Ici sont toutes les informations sur le client. Les matériaux. Nous avons ici aluminium, bois ou PVC. Le système de profil qui nous voulons utiliser. La couleur. La quincaillerie. La main-d'œuvre. Et les informations sur le vitrage ou le mystiquaire au panneau. Ici sont le coût supplémentaire qui nous voulons, si nous voulons ajouter de coûts supplémentaires, nous pouvons l'écrire ici. Ici, nous avons deux textes. Nous pouvons ajouter au début d'offre un texte et aussi à la fin. Ce texte va apparaître sur l'offre qui vient pour le client. Ici sont deux statistiques. Nous voulons commencer avec ajouter un composant. Ici, nous avons plusieurs de formes. Ici, c'est une fenêtre rectangulaire. Nous avons ici le plus commun de formes, mais nous avons plusieurs. Si le type de fenêtre que nous voulons dessiner n'est pas dans cette liste, nous pouvons faire nous-mêmes le type de fenêtre que nous voulons, comme ça. Le vert, c'est la couleur de sélection. Quand nous sélectionnons cette fenêtre, nous avons ici toutes les informations sur elle, la longueur, l'auteur,
la tolérance, le matériel qui est utilisé, le système de profil, la couleur, la quincaillerie et tout ensuite. Si nous voulons, nous pouvons changer la dimension. Ou ajouter ici un arc, disons 200 mm. Allons-y à la forme plus commune qui est rectangulaire. Je peux ajouter aussi deux divisions. Je peux changer la dimension de chaque division. Ici, c'est le type d'ouverture. Je dois sélectionner premièrement la fenêtre et puis sélectionner le type d'ouverture du châssis. Ici sont les informations, le type d'ouverture. Je peux changer. Ici sont c'est la première composante et toutes les informations sur elle. Je veux ajouter un autre qui sera une porte. Je peux ajouter deux menons. De menons, nous avons plusieurs divisions ici. Nous pouvons changer ici, mettre le plus. Nous avons aussi tout le contrôle sur ce menu. Nous avons ici les côtes. Si je clique sur un seul élément, seulement cela va être sélectionné. Je peux ajouter deux menus inclinés et toutes les informations vont apparaître dans la droite. Nous pouvons sélectionner seulement un seul élément. En ce cas, un élément de bas. Par exemple, si je veux dessiner une porte avec seuil. Je vais changer cet élément et puis je choisissais cela de cette liste de profils correspondant un seuil. Vous verrez que RaWorkshop changera le modèle de la coupe de ce profil. Je vais ajouter un autre composante. Qui s'étend fenêtre coulissante. Je peux changer la dimension de la fenêtre. Nous pouvons ajouter plusieurs de menons de division. Nous pouvons faire que l'angle de cette fenêtre sera fixe et le 2 sera glissant. Un autre RaWorkshop peut calculer aussi des moustiquaires de volets. Je vais dessiner un moustiquaire.
de notre couleur. Nous pouvons changer la couleur. Je peux dessiner aussi de volets. Ici sont les cinq composants de mon projet. Ici, je peux le voir le tout cinq. Et dans la nomenclature des matériaux, nous avons toutes les informations sur les matériaux qui ont été utilisés dans mon projet. Nous pouvons changer les valeurs. Nous avons le code, le nom de matériaux, la quantité. Nous pouvons le changer. Le prix unitaire. Et aussi, ici, nous avons deux rapports. Le premier et le plus important du rapport, c'est le rapport d'offre. Que nous avons ici les informations sur du contact, l'adresse, le téléphone, le mobile, le logo de la compagnie, de l'entreprise. Ici, nous avons les informations sur le client. Et le nom du projet qui a été fait. Ici, c'est le dessin de fenêtre du projet et aussi les informations sur elle, la menu série qui était utilisée et toutes les valeurs. Et à la fin, nous avons la valeur totale de l'offre. Une offre utilisée, c'est l'offre de revendeur. Si nous avons de revendeur, cela est le rapport que nous devrons utiliser. Nous avons ici le panneau de fenêtre. Le panneau de fenêtre est un rapport détaillé de fenêtres et de tous les composants de la fenêtre et toutes les quantités. Nous pouvons sélectionner ce qui nous devrons afficher ou non dans ce rapport. Nous pouvons afficher seulement une fenêtre et une porte sur une seule page. Avec toutes les informations, mais sans prix. Nous avons ici le panneau de vitrage. Ici sont les informations sur le vitrage qui a été utilisé. La dimension, le type de vitrage, l'épaisseur, la quantité. Si nous voulons que nous montre seulement les formes irrégulières, nous pouvons sélectionner et dans le panneau de vitre, sera seulement les formes irrégulières. La nomenclature de matériaux, cela contient tous les matériaux calculés par le logiciel, le code, le nombre, la quantité sans perte, la quantité avec perte, prix unitaire de production, la valeur de production. Les informations sur les accessoires, sur la quincaillerie, le labor, les informations sur les profils qu'ils ont utilisés, tout ensuite. Nous pouvons sélectionner aussi que nous devrons montrer que non. Ici, c'est le code de découpage. De découpage, ces rapports montrent les dimensions que vous avez besoin pour chaque segment pour fabriquer ce projet. Ici, nous avons le code, le nombre, la quantité et la taille et l'angle d'inclinaison et aussi pour la quincaillerie et le vitre et pour le mystiquaire.
Les plans d'exécution, c'est une combinaison de tous les rapports antérieurs, le dessin, de fenêtres, de portes, les informations sans prix, les informations pour les fabrications, le détail de coupe, les quincailleries et les accessoires, les informations sur le vitrage et où le vitre doit être posé. L'optimisation de coupe. Nous voulons faire une optimisation d'un élément, d'une fenêtre que nous avons sélectionnée. Ici, nous avons les informations sur l'optimisation, la longueur de barre, les dimensions où nous devrons couper. Toutes les informations, la dimension. Ici, c'est ici, c'est l'algorithme de découpage. Avec vert, nous avons le reste qui peuvent être réutilisés. Ici, avec rouge, c'est le perte, qui sont trop petites pour être réutilisées. Nous pouvons ajouter de étiquettes à découper. Cela sont les étiquettes qui seront collées sur le bar. Nous pouvons ajouter aussi les étiquettes de produits finis, les informations sur les composants, sur le nom de profil et tout ensuite. Nous avons aussi un rapport de commande de profil qui sont les informations sur les profils, le nom, le code. Le numéro de barre, la longueur de barre, la quantité. Nous avons un rapport de commande de quincaillerie et d'accessoires. De vitrage. Et la commande totale qui est en combinaison de rapports antérieurs personnalisés. Vous pouvez personnaliser les informations que vous voulez apparaître dans ce rapport. Ce sont les rapports disponibles en RA Workshop pour le moment. Nous travaillons tout le temps pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et le rendre tant convivial que possible. J'espère que vous avez apprécié la présentation et.